Salut, c'est Drago18. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer des animaux et des objets sur Zooticut 2. Donc, vous allez télécharger un animal ou l'objet que vous vouliez. Donc, moi, je vais sur Zeta Design parce qu'il est vraiment pas mal. Il y a toujours des nouveautés dessus, enfin des nouveautés, des projets. Ils envisagent toujours de faire autre chose. Par exemple, là, il y a tout ça qui. Les vivariums, tout ça, qu'ils sont en train de faire ou qu'ils ont déjà fait, c'est vraiment pas mal. Donc moi, je vais prendre le dauphin, les sort dans le load, encore une fois. Mais il est vraiment pas mal, par exemple le vivarium. Ça va faire des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment bien. En tout cas, moi j'aime bien. Après, je sais pas vous si vous aimez ou pas. Mais vraiment, c'est pas mal. Donc, ensuite, vous allez dans la borne de téléchargement. Vous prenez la. Donc, par exemple, si le dossier est compressé ou quoi, vous faites. Il n'y a pas besoin de zip ou quoi. Parce qu'il y en a plein qui disent ça. Alors, vous prenez. Vous faites un clic droit sur le dossier. Après, vous faites extraire tout et ensuite il va vous mettre un dossier qui ressemble à ça avec un truc comme ça, quoi, bien décompressé, quoi. Donc, ensuite vous prenez, vous allez dans disque local, programme file, Microsoft Game et puis Zooticut parce que moi je l'ai déjà, bon, c'est pas grave, déplacer, ouais. Continuer et ensuite l'animal ou l'objet est dessus. Donc par contre il ne faut pas c'est par exemple si vous êtes en train de jouer puis que vous passez sur bah, pour faire ça et puis que vous l'installez tout ça l'animal ou l'objet ne sera pas dessus parce que il faut d'abord couper le jeu et ensuite le relancer parce qu'en fait le jeu ne le prend pas en compte et il sera qu'à la prochaine ouverture du jeu. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, c'était Drago18 pour comment installer des objets et des animaux sur Zooticut. Allez, salut pour une prochaine vidéo.